qui nous visitent ce matin viennent de Montréal, peut-être aussi d'ailleurs. Alors, c'est sous une pluie de grâce qu'en ce jour du Seigneur, nous prions ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix du ressuscité soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, bienvenue à cette fête de l'Ascension du Seigneur. Cette fête nous parle du ciel, ce lieu où le Christ habite et où nous serons un jour. Ça nous captive énormément d'explorer ce qu'il y a au-delà de notre planète, au-delà de notre galaxie. Plus captivant encore est ce lieu où l'espace et le temps n'existent plus. Alors ce matin, loin de nous arracher à l'évasion et au rêve, Jésus nous ramène à la réalité de notre terre, où nous sommes, qui origine de l'amour du Créateur. Une terre qui apparaît dans toute sa beauté lorsqu'on s'éveille à l'essentiel valeur. Alors c'est notre mission de travailler à la beauté de ce monde, et le Christ aujourd'hui nous y envoie. Malgré nos doutes et nos fragilités, le Seigneur nous fait toujours confiance que la force et la douceur de son amour nous renouvellent de l'intérieur. Seigneur Jésus, tu es descendu du ciel pour nous offrir ta lumière et raffermir notre espérance. Prends pitié de nous. Amen. Ô Christ, tu fais de nous les membres de ton corps, pierre vivante de ton Église. Prends pitié de nous. Amen. Seigneur, tu as été élevé par la gloire du Père. Il n'y a pas de sang. Pour que nous avons une place au sang. Prends pitié de nous. Amen. Que Dieu Tout-Puissant, ce miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise jusqu'en vie éternelle. Et avec joie, ensemble, chantons la gloire de Dieu. Nous te bénissons.
mort. Fais-nous exulter d'une joie sainte et nous réjouir dans une fervente action de grâce, car l'ascension de ton Fils, le Christ, nous introduit déjà auprès de toi, nous les membres du corps dont il est la tête, appelés à vivre en espérance dans la gloire où il nous a précédés, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient, « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. S'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples, battez les mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du Dieu s'élève parmi les ovations,
le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève, il les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du du livre des Actes des Apôtres. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il a ressuscité d'entre les morts et qu'il a fait asseoir sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent,
ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers amis, si nous nous demandons qu'a fait Jésus après sa résurrection, où est-il allé, les évangélistes nous racontent que le soir de Pâques, il est retourné d'où il était venu, au ciel. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui, l'ascension de Jésus. Mais attention, l'ascension n'est pas un phénomène de lévitation, une sorte d'envol vers les cieux. Si on parle d'élévation dans les nuages, ce n'est pas pour localiser un quelconque paradis, mais plutôt pour dire que le Christ ressuscité ne meurt plus et qu'il est entré dans un autre monde. Alors, c'est une manière symbolique de proclamer l'accomplissement du mystère pascal qui va trouver son plein achèvement à la Pentecôte. Alors, c'est avant tout un événement de foi. Donc, pour bien comprendre ce que signifie l'ascension, alors il faut éviter de lire les lectures bibliques de ce dimanche comme de simples reportages. Et c'est pourquoi d'ailleurs on peut remarquer que saint Luc n'a pas de problème à situer l'ascension le soir de Pâques dans son évangile, alors qu'il va parler de 40 jours plus tard dans les Actes des Apôtres, dont il est aussi l'auteur. Et il faut savoir aussi que dans la culture de l'époque, on avait une conception du monde à trois étages. Le ciel en haut, la terre en bas, et les enfers en dessous. Alors le ciel était, pour ainsi dire, le toit de la terre et le domaine de Dieu. Affirmer que Jésus est monté au ciel, c'est une façon de dire qu'il a rejoint son Père, et d'affirmer ainsi qu'il est son égal. Celui qui s'est abaissé a été élevé à la place d'honneur à sa droite. Et avant d'être élevé, il est descendu aux enfers, le séjour des morts, pour aller chercher ceux qui s'y trouvaient et leur ouvrir la porte du ciel. Quand le récit dit que les disciples voient Jésus s'élever, alors on peut se rappeler ici cette allusion à Élisée, qui voit son maître Élie être enlevé au ciel avant de recevoir le double de son esprit. Alors, ça veut dire que les disciples sont assurés d'obtenir aussi le don de l'Esprit de la part du Seigneur. Contrairement au récit des Actes des Apôtres, l'Évangile de saint Matthieu ne mentionne pas explicitement l'ascension de Jésus. Il fait plutôt la fin, il signale plutôt la fin d'une forme de la présence de Jésus, assortie d'un envoi et d'une promesse. Ils entreront un jour dans la gloire du ressuscité, mais pour l'instant, les disciples sont envoyés. Envoyés pour faire connaître le Père et son amour pour le monde qu'il a voulu. Alors c'est une grande mission qu'il leur confie. Jésus leur témoigne sa confiance.
une confiance qui va au-delà de leur fragilité. Et on s'en aperçoit bien qu'ils sont fragiles. Il est dit dans le récit des Actes des Apôtres que certains disciples avaient encore des doutes. Et d'autres n'imaginaient pas l'avenir sans la restauration d'un royaume terrestre. Ils se disaient, puisque le Christ est ressuscité, qui donc pourrait lui résister? Pourquoi tarder à établir son règne ici-bas? D'où la question, Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Alors l'ascension leur laisse un goût d'inachevé. Pour eux, ce qui s'est passé demeure un profond mystère. Un mystère dont les autres lectures de ce dimanche nous offrent des clés de compréhension. Alors l'ascension, en effet, est liée à un autre mystère, et ce mystère, c'est l'Église. Dans l'Évangile, nous constatons que le départ du Seigneur est étroitement associé à l'annonce de la bonne nouvelle et au baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que Jésus demeurera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dans ce ministère spécifique de faire connaître, de le faire connaître, de faire des disciples. Donc, c'est la communauté des disciples rassemblée autour des apôtres, fidèles à la fraction du pain, aux prières, au partage des biens. C'est cette communauté qui est témoin de son ascension dans la gloire et qui annonce qu'il reviendra de la même manière. Et cette communauté des disciples, c'est l'Église. L'apôtre Paul dit bien que le Christ est monté aux cieux pour être la tête de ce grand corps qu'est l'Église. Et l'Église, c'est nous. C'est nous, peuple de Dieu, en marche vers le ciel, vers le royaume en croissance. Avec l'ascension, Jésus cesse de préparer ses disciples à son départ, alors il laisse l'Église voler de ses propres ailes. C'est le début du temps de l'absence, mais aussi d'une nouvelle présence. Et le départ du ressuscité est la condition de l'avenue de l'Esprit-Saint. C'est lui qui nous rend capables d'être des témoins crédibles du Christ. Et c'est lui, nous rappelle saint Paul, qui nous révèle quelle puissance incomparable Dieu déploie pour nous, les croyants et croyantes. C'est la même puissance qu'il a mise dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts. Alors en partant vers son Père, Jésus nous passe le flambeau et il le fait dans la confiance. À nous de continuer sa mission, de nous conduire en disciples responsables. Le Christ n'est plus visible comme avant. Inutile de lever les yeux vers le ciel, il n'a rien à voir. Seul est visible l'Église, la communauté de ceux et celles qui tentent, au gré des hauts et des bas, d'être à la hauteur. Alors, c'est notre mission. Les gens de ma génération, on n'était pas habitués avec ce terme de mission. La mission, c'était les prêtres, les religieux, religieuses qui allaient ailleurs, dans d'autres pays, pour annoncer le Christ. Ici, notre société québécoise, évidemment, avait des institutions très catholiques. L'enseignement se faisait, la vie chrétienne allait bon train. C'était à l'époque de la chrétienté. Mais nous avons changé d'époque. On n'en est plus là. Alors, le défi est là pour nous. Et comme vous le voyez écrit, vivre ensemble notre mission de baptiser. Tous et toutes, nous sommes responsables. Alors, soyons à la hauteur. Soyons à la hauteur. Jésus nous fait confiance. Amen. Alors oui, le premier, Jésus a eu confiance en nous. Et nous, nous professons notre foi, notre confiance en Dieu. Redisons ensemble notre foi.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, qui a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Puisqu'en cette fête de l'Ascension, le Seigneur élargit la mission de son Église jusqu'aux extrémités de la terre, que notre prière se fasse vraiment universelle. Nous disons que ta présence nous soutienne, Seigneur. Pour l'Église, afin qu'en cette journée mondiale des moyens de communication sociale, elle sache, à l'invitation du pape François, parler avec le cœur et rendre compte de l'espérance qui l'habite, prions le Seigneur. Pour les personnes qui exercent des responsabilités politiques ou sociales, afin que par leur choix, elles assurent le respect de la dignité aux plus démunis, prions le Seigneur. Pour les gens qui vivent un deuil, une séparation ou un abandon, afin qu'ils rencontrent sur leur route des témoins de l'espérance chrétienne, prions le Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles demeurent ouvertes à tous et à toutes et soient un terreau fertile des disciples missionnaires, prions le Seigneur. Nous pouvons y ajouter toutes nos intentions personnelles, les intentions qui touchent aux événements qui marquent le monde actuellement. Dieu notre Père, ton Esprit nous aide à vivre vraiment comme des pierres vivantes de ton Église, qu'il fasse de nous des témoins crédibles de ton amour jusqu'au jour où nous serons réunis avec toi pour l'éternité. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, en ce jour où nous fêtons l'admirable ascension de ton Fils auprès de toi, nous te présentons humblement ce sacrifice. Nous t'en prions, fais que cet échange très saint élève nos cœurs vers les réalités célestes par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, car le Seigneur Jésus, le roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux devant les anges émerveillés. Lui, le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe, et il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne partout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Même après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Ainsi, mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Gérald et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de M. Philippe Filipovic, pour qui cette messe s'est offerte. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Geneviève et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, c'est avec confiance que nous disons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, et les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Mes chers amis, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. Prenons le temps de la partager entre nous aussi. Invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir, mais dis seulement une parole dont je serai digne. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes d'avoir part au mystère divin alors que nous sommes encore sur la terre. Mets en nos cœurs un grand désir d'être unis au Christ en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je recommande à votre prière Madame Thérèse Dion. Ses funérailles seront célébrées jeudi le 25 mai à 11h, ici même en notre église. Pour tout le Canada, les catholiques sont invités ce dimanche à donner pour les œuvres pastorales du pape, ce qu'on appelle les charités papales. Avec les sommes recueillies, le pape peut subvenir au nom de tous les catholiques à divers besoins, secours d'urgence dans le monde, en plus d'assurer le bon fonctionnement des organismes de l'Église universelle. Alors des gens seront à votre sortie de l'Église pour recueillir votre offrande. Merci beaucoup de votre générosité. Une invitation à participer au rassemblement des maisonnées du diocèse de Québec. Les maisonnées, ce sont des petites équipes qui partagent autour de la parole de Dieu. La plupart le faisaient pendant la pandémie de façon virtuelle, par Zoom. Maintenant, on le fait aussi de façon en présentiel. Alors, toutes ces petites équipes, il y en a ici, il y en a dans nos communautés. Alors, vous êtes invités à participer à cette rencontre qui aura lieu le 27 mai prochain à compter de 9h, qui se tiendra à l'église de Saint-Jean-Chrysostome à Lévis. Le thème est « Donnez-leur vous-même à manger ». Et notre archevêque, le cardinal Lacroix, participera à cette rencontre qui mettra un accent particulier sur la fraternité. Alors, on est invité à apporter son lunch pour manger ensemble après l'événement. Alors, vous avez des détails dans le feuillet paroissial. Je dis un grand merci à toute la vaillante équipe de personnes en service pour cette Eucharistie. Il faut dire qu'ici, on a un accueil privilégié. Je vois M. Vézina sous la pluie qui vous accueille. Alors, c'est très généreux. Et pour nous, c'est important, cet accueil que nous avons envers les autres, les uns envers les autres, comme nous devons l'avoir aussi pour les autres, partout autour de nous, même ceux qui ne sont pas là avec nous. Alors, c'est notre fierté d'être chrétiens que nous exprimons. Notre mission, c'est d'abord ça, d'exprimer que nous sommes fiers d'être chrétiens et chrétiennes. Je dis merci à notre chorale paroissiale. Alors, sous la direction de M. Luc Letourneau, accompagné à l'orgue ce matin par Mme Sange Beaulieu. Merci beaucoup. Je vous souhaite un très beau dimanche, une belle semaine. Je termine par cette bénédiction solennelle de la fête de l'Ascension. Que le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, le Fils unique est entré au plus haut des cieux. Il a ouvert la voie pour que vous puissiez vous élever jusqu'à lui. Que Dieu Tout-Puissant vous comble de sa bénédiction. Amen. Après sa résurrection, le Christ s'est manifesté à ses disciples. Quand il viendra pour le jugement, qu'il vous soit favorable à jamais. Le Christ, vous le croyez, siège avec le Père dans la gloire. Puissiez-vous éprouver avec joie qu'il reste auprès de vous jusqu'à la fin du monde, comme il vous l'a promis. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Chers amis, le Seigneur nous envoie continuer sa mission, être témoin de sa présence dans le monde. Alors, allez, allez témoigner, allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine. Au revoir.